Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûr ou si tu savais pas? Est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Comment t'as fait, maman, pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'en avait juste un dans tous les présents siècles? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Comment ça se fait, maman, que dans ma vie à moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, j'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari? Comment t'as fait, maman, pour lui ouvrir ton cœur, sans qu'il parte en courant avec ce que t'as de meilleur? Est-ce qu'il y a des mots magiques que t'as dit sans te rendre compte? Explique-moi donc ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Quand j'ai l'air désaimé, les hommes changent de regard. Si j'ose m'attacher, ils se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont déjà loin derrière. J'avais raison de le dire, le plus fort c'est mon père. Vas-tu me dire, maman, comment t'as pu savoir dès le commencement que ce n'était pas un trouillard, qu'il n'allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse le dire, le plus fort c'est mon père. Quel effet ça t'a fait quand tu l'as rencontré? Est-ce que ça paraissait qu'il allait tant t'aimer? Les hommes bien souvent paraissent extraordinaires, mais dis-toi bien, maman, que le plus fort c'est mon père.